Salut à tous, quel privilège d'être à Madrid dans cette enceinte mythique, le Bernabéu. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment. Évidemment, d'Omar Da Fonseca. Ça va être un plaisir de vivre ce match important. Le Real Madrid affronte le PSG. Quand on vient de remporter une magnifique victoire, on a tendance à être un peu plus mou, un peu blando. Mais attention, c'est très dangereux dans une compétition comme celle-là. Il n'y a pas le temps de se relâcher. Côté Real Madrid, voici le 11 qui débute. Dans le but, c'est Thibaut Courtois, David Alaba avec Antonio Rüdiger en défense centrale. Luka Modric sera accompagné de Toni Kroos au milieu. Et enfin, devant, on retrouve Karim Benzema. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. L'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Avertissement sans frais pour l'instant, pas de carton. Très bien, elle fait de la prévention. La répression, ça sera pour plus tard. Mbappé! Et c'est repoussé par le mur. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Sergio Ramos avec Marquinhos en défense centrale. Léo Messi sera accompagné de Neymar sur les côtés et devant Kylian Mbappé. Léo Messi. À la réception, Nuno Mendes. Parlons d'un grand attaquant, un grand joueur, un grand buteur. On l'appelle Nueve, c'est Karim Benzema. Voilà, on connaît sa capacité à faire circuler le ballon, à établir les connexions entre les lignes. C'est une capacité impressionnante à faire circuler le sang dans le corps de l'équipe. L'occasion de prendre l'avantage! Et un arrêt qui fait du bien. L'équipe essaye un corner à deux. Et l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Le coup franc joué à terre. Et le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand-chose de positif ici, beaucoup trop de suffisance dans cette action. Messi. La bonne intervention, ballon dans les pieds. Neymar. Et Paris avec le ballon pour tenter quelque chose. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. L'appel était bon, mais il y a un souci de timing, hors-jeu, logique. Ballon qui est sorti, remise en jeu pour le Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est bien joué, ballon par-dessus. Ouais, bien joué, la bonne intervention. Benzema. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Rodrigo avec le ballon. Ça revient sur Luka Modric. Le deuxième poteau pour ce centre. Oui mais non, ça ne profite pas en fait. Le ballon est intercepté. Luka Modric avec le ballon. Et maintenant, Fede Valverde. Ballon pour Carvajal. Et maintenant, Luka Modric. Allez, les Merengue qui perdent le ballon. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Benzema. Un ballon pour Karim Benzema. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Luka Modric avec le ballon. Il faut tenter sa chance. Goal, 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 goal. Et ça y est, ce match est débloqué. Et ça promet pour la suite. 1-0 donc au tableau d'affichage. Léo Messi. Le Real qui ne semble pas vraiment avoir le contrôle de la possession et pourtant cette équipe parvient à mener au score et imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Vinicius. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Le centre de Vinicius. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. Verratti. Léo Messi. Ah, des possibilités pour Léo Messi. Le centre vers Verratti. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Kylian Mbappé. Bonne intervention. La passe est interceptée. Benzema. Vinicius. Et ça joue vers Modric. Ah, il est bien placé, Modric. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Oh oui, le but! En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Voilà, c'est maintenant officiel, on jouera une minute de temps additionnel. Ah, ballon dangereux là de Messi. Allez, le bon retour défensif, ça pouvait être dangereux. Et ça y est, l'arbitre siffle la mi-temps à l'instant au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid qui a clairement creusé l'écart. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Ouais, bonne intervention. Nuno Mendes. Nuno Mendes reçoit le ballon. La réception de Carlos Soler. Et maintenant Verratti. Ouais, c'est parfaitement défendu ça. Ah, le contre est possible. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre.
Mbappé. Oh, le tir! C'est capté, sans souci pour Thibaut Courtois. Et Kimpembe qui perd le ballon. Et c'est Karim Benzema qui mène l'attaque. Avec Karim Benzema. Et maintenant Luka Modric. Oh, il s'est bien servi. Oh, et ce nouveau but, il vient alourdir un peu plus l'addition. 3 buts d'écart maintenant. Et avec ce but inscrit, ça fait 3 buts à rien au tableau d'affichage. Oui, sans faute. Et il avance, Vinicius. Et ça joue sur Fede Valverde. Ah, c'est bien parti. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention. Et c'est encore dangereux. Neymar. Et non, ce ballon perdu par Neymar. Benzema. Et Messi qui mène l'attaque. Un ballon pour Carlos Soler. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Et Verratti dans la surface. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Un bon contre à jouer peut-être. Le ballon pour Benzema. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Luka Modric avec le ballon. Et oui, c'est une récupération. Luka Modric, cross, Ferland Mendy à la réception, c'est vers Vinicius, et un ballon sans souci finalement pour Donnarumma. Presnel Kimpembe, le ballon pour Marco Verratti, Kylian Mbappé, Neymar. Ah, c'est pour Lionel Messi. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et ça joue sur Vinicius. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Et un ballon sans souci finalement pour Donnarumma. Le dégagement Hakimi. Nuno Mendes. Verratti. Et le contre est possible maintenant. Et la défense peine à revenir. Trajectoire bien coupée en pleine surface. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oh, attention, Léo Messi. Et c'est bien défendu sans faire de faute. Ah, c'est bientôt la fin de cette rencontre. Évidemment, le public n'a pas envie que ce match s'arrête. Quel festival offensif! Oui, ce qu'on voit, c'est un Real Madrid absolument intraitable, qui défend très bien, mais qui est aussi très efficace, presque clinique devant le but. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Verratti. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et une occasion de contre à négocier. Fede Valverde avec le ballon. Attention, Fede Valverde. Ah, le ballon est capté sans aucun souci. Et elle n'arrive pas à cette passe de Neymar. Messi. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Et Verratti avec le ballon. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Oh, il y a danger là avec Vinicius. Penalty. Et oui, penalty. Ah, ça va vraiment mal pour cette équipe.
et le penalty est transformé de la course à la frappe. Tout est réussi. Et voilà donc un nouveau but. Ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et l'équipe reprend la possession. Ah, Neymar, il a du champ là dans le couloir. Et le bon centre de Neymar. Et c'est capté. Là. Une nouvelle victoire qui permet d'asseoir un peu plus leur domination. On ne les voit pas baisser de rythme, c'est impressionnant. Ils enchaînent les victoires sans montrer de difficultés. S'ils maintiennent ce rythme, aucun doute. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Parc des Princes, bienvenue à Paris. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva est le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. Et le sacre, c'est peut-être bien pour aujourd'hui, le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Quand on voit la qualité des prestations tout au long de la saison, ça ne m'étonne pas vraiment que le titre soit possible d'aujourd'hui. Il n'y a aucune place pour le doute, les interrogations. Le sacre, c'est pour maintenant. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Ah non, ça s'arrête là. Benzema. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Achraf Hakimi avec Nuno Mendes. Dans les couloirs, Léo Messi. Eh oui, ça c'est de l'action ! Goal ! Le but ! Peut-être le but de la délivrance. Fusion, explosion de joie, magnifique pour cette équipe. Mais attention à ne pas se relâcher maintenant. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Très bonne intervention. Et sur le côté, le Real qui a du champ. Vinicius avec le ballon. Vinicius, goal! Voilà ce but en plus. Pour confirmer ce qu'on savait déjà, l'avance est importante. Une domination totale et un titre parfaitement logique. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et sur l'aile, Neymar, il peut avancer. Neymar revient dans l'axe. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Hakimi. Et ce ballon perdu par Achraf Hakimi. Et c'est intercepté, la perte de balle du Real Madrid. Avec Kylian Mbappé. Et maintenant, Hakimi.
Et c'est encore pour Mbappé. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Rodrigo. Ah, ça arrive sur Mbappé. Intercepté cette passe de Neymar. La réception de Carlos Soler. Le ballon pour Benzema. Et maintenant Luka Modric. Oh, il s'est bien servi. Et le duel tourne à l'avantage du gars. Gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Rodrigo avec le ballon. Quelle intervention absolument décisive. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Dani Carvajal reçoit le ballon. Et maintenant, Fede Valverde. Et bien fait, attention à l'occasion. En puissance dans ce 1 contre 1, mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Le ballon pour Benzema. Benzema! Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon! Petite combinaison. Et ça joue sur Fede Valverde. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Et ça passe tout juste à côté. Et ça joue sur Rodrigo. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Nuno Mendes. Hakimi. Le ballon pour Nuno Mendes. Hakimi. Ouais, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Et le gardien s'emploie comme il faut. Voilà un corner qui a réveillé tout le monde. Le public sent qu'un exploit est peut-être possible. C'est frappé par Neymar. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et non, ballon perdu. Kimpembe à la réception. Et le ballon pour Messi. La possession qui ne penche pas trop du côté de Real Madrid et pourtant cette équipe parvient à mener au score et imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Toni Kroos récupère ce ballon. Le ballon pour Benzema. Et le face-à-face à venir. Goal, 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 goal! Kabe Nwebe! Ils sont rares les joueurs capables de faire la différence, mais lui, évidemment, il est dans cette catégorie. Il appartient à cette élite. Ce but en est le symbole. Un trajectoire coupée sur ce ballon de Verratti. Kylian Mbappé. Ballon transmis à Neymar. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. Et ça joue avec Neymar. Très bien défendu, sans commettre de faute. Ah mais non, le tacle là est trop dangereux, c'est mal maîtrisé. Et l'arbitre va sans doute sortir un carton. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. Et l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Et voilà le coup de sifflet, c'est la mi-temps.
C'est reparti dans ce match avec une avance confortable pour le Real Madrid. Marco Verratti. Benzema. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Et oui, le but! Voilà le troisième pour le hat-trick! C'est incroyable! Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Marquinhos. Et la passe pour Verratti. Le ballon pour Achraf Hakimi. Nuno Mendes. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah, et dans les tribunes, on attend un tir. Et le gardien s'illustre bien. Corner. Ah, et non, ce corner ne donne rien. Ça survole la surface. Ah, l'attaque bute sur une défense bien en place. Ah non, il est perdu ce ballon. Messi. Ah, ballon dangereux là de Messi. Oh, la parade incroyable, Thibaut Courtois. Ah, il s'est joué dans le dos de la défense. Excellent timing à la réception. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Marco Verratti. Nuno Mendes. Kylian Mbappé. Voilà, le ballon est récupéré. Et ça joue sur Nuno Mendes. Et ça joue avec Messi. Le ballon pour Nuno Mendes. Le ballon pour Kylian Mbappé. L'action se poursuit. Et hop, le danger est écarté. Et ça joue sur Vinicius. Et pas de détail, un dégagement qui sort du terrain et ça fait donc corner. C'est joué court. Ferland Mendy à la réception. Et attention, ça peut payer là-dessus. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ! Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation! Et voilà une rencontre très déséquilibrée. Le score est là pour en témoigner. C'est un match qui semble plié. Dépossédé du ballon. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé. Coup franc à venir, évidemment. Et peut-être un avertissement aussi. Et l'arbitre est plutôt clément sur ce coup, sûrement parce qu'il y a déjà eu une expulsion. C'est une manière de ne pas les pénaliser davantage, en tout cas pour l'instant. Et ça joue sur Fede Valverde. Et oui, c'est une récupération. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Léo Messi, balle au pied. Messi la frappe. Ah, le bon réflexe là. Le corner s'est dégagé, aucun problème. Oui, excellent ballon, bien donné. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. La passe en profondeur de Benzema. Vinicius, bien servi. Et c'est le but! Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel.
Bonsoir tout le monde, bienvenue au Parc des Princes, bienvenue à Paris. La team Dada, et oui, c'est encore nous, Benjamin Da Silva donc, et Omar Da Fonseca. C'est reparti pour une nouvelle saison de football, évidemment, comme on les aime. Le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Et les voilà de retour. L'équipe aurait mis son titre en jeu. Premier match de cette nouvelle édition. La saison dernière s'était terminée en apothéose. Maintenant, il faut maintenir cette dynamique, cet état d'esprit. Le corner de Neymar. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Achraf Hakimi avec Nuno Mendes dans les couloirs. Léo Messi sera accompagné de Neymar sur les côtés. Et devant, Kylian Mbappé. Neymar en approche. Mbappé peut-être pour reprendre. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Et voici la compo du Real Madrid. Dans le but, c'est Thibaut Courtois. Dani Carvajal avec Ferland Mendy dans les couloirs. Luka Modric sera accompagné de Toni Kroos au milieu. Et en pointe, Karim Benzema. Et ça joue vers Modric. L'occasion de prendre l'avantage. Ouais, très bonne intervention là. Kylian Mbappé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Superbe intervention dans la surface. Rodrigo. La balle vers Modric. Et peut-être un bon mouvement offensif pour le Real Madrid. Le ballon pour Benzema. Ah, énorme occasion pour prendre l'avantage. Ah, là-dessus peut-être. Ah, le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Et bien donné en profondeur. Et la profondeur est trouvée, mais le drapeau s'est levé, hors jeu. L'intention était positive, mais la passe doit venir beaucoup plus vite. Un ballon rendu à l'adversaire. Benzema. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Messi, attention à cette passe. Et hors jeu, la passe en profondeur était vraiment dangereuse, mais l'appel de balle n'était pas bien coordonné. C'est un appel de balle qui est précipité. Au lieu de prendre le temps d'analyser la passe, il faut évaluer pour pouvoir évoluer. Ah, le Real perd le ballon là. Nuno Mendes. C'est ballon perdu par Verratti. Ah, Neymar, il a du champ là dans le couloir. Ouais, très bon ballon vers le second poteau. Et le centre n'arrive pas à destination. Avec Kylian Mbappé. Grosse occasion là. Et ballon renvoyé, l'action continue. Et ça finit par rentrer, malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas. L'engagement de la part du Real, il faut réagir après ce but concédé. Hakimi. Le ballon sur Léo Messi. Marco Verratti. Des possibilités pour Léo Messi. Bien défendu dans sa propre surface. Oh, Rodrigo, la passe, c'est bien vu. Karim Benzema. Et oui, but, l'égalisation. Voilà un match enflammé. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Ramos. À la réception, Nuno Mendes. Nuno Mendes. Le ballon pour Marco Verratti.
Et ça joue avec Messi. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Kroos. Ouais, le gardien ne se laisse pas surprendre sur cette frappe longue distance. Marco Verratti. Le ballon sur Léo Messi. Et Paris peut avancer là, dans le couloir. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ouh, et le drapeau qui se lève là, l'arbitre qui signale le hors-jeu. Oui, une séquence un peu brouillonne là. Benzema. Eh, duel remporté, va pouvoir relancer. Ah, ce ballon dans les airs pour alerter Neymar. Léo Messi. Le ballon pour Marco Verratti. Ah, la circulation du ballon est rapide, les enchaînements sont bons, c'est bien joué. Ah, frappe contrée, sans souci. Benzema, ah, il s'est joué dans le dos de la défense. Un bon ballon, mais finalement le drapeau se lève, hors jeu. C'est difficile la coordination. La passe, c'est un don que tu fais à l'autre. Mais attention, si tu démarres trop tôt, tu ne recevras jamais le cadeau. Ah, ça joue avec Neymar. Et maintenant Verratti. Ah, il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Et pour le moment, Karim Benzema, il est rayonnant dans cette rencontre. Le retour des vestiaires et le ballon pour le Real Madrid. Le ballon pour Benzema. Et maintenant, Fede Valverde. Avec Karim Benzema. Et c'est pour Toni Kroos. Vinicius avec le ballon. Le ballon pour Benzema. Karim Benzema. Oh, la faute est pénalty. Et oui, l'arbitre là qui indique le point de pénalty. C'est donc un carton jaune pour cette faute. Il y a déjà un pénalty. Ça me semble une bonne décision. Pénalty transformé. C'est très bien frappé. La reprise du match ici, les Parisiens sont en difficulté. Marco Verratti. Le ballon pour Verratti. Et duel remporté en défense, belle anticipation avec Kylian Mbappé. Mbappé, bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Vinicius, ouais, bien fait, il est passé. Le centre de Vinicius. Oh, c'est dedans, mais non, c'est hors-jeu. Je vous fais confiance, parce que ça se joue à quelques centimètres. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et le ballon pour Messi. Et la passe pour Verratti. Messi. Le ballon pour Kylian Mbappé. Eh ben, le récupérer sur cette bonne intervention. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Attention à cette bonne passe. Oh, attention à ce ballon. C'est contré. Hakimi. Et Messi qui mène l'attaque. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et maintenant Carlos Soler. Ah, il peut frapper pour égaliser. Et oui, c'est au fond. Et les Parisiens reviennent dans ce match. Encore un but dans ce match très ouvert. Le spectacle est grandiose. Et il reste encore des minutes à jouer. Kroos.
Ballon pour Modric. Et c'est une remise en jeu à venir. Vinicius. Vinicius dans le couloir, il a de l'espace. Ah, il est passé sur ce bon geste. Et ici l'occasion pour mener. Bonne intervention du gardien. Combinaison, ça joue en deux temps. Ah, ce ballon est renvoyé, c'est donc un corner. C'est joué court. Ferland Mendy à la réception. Il est en bonne position. Et oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Un but extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. Neymar. Et le drapeau s'est levé. Hors jeu. La possession qui ne penche pas trop du côté de Real Madrid. Et pourtant, cette équipe parvient à mener au score et imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Et voilà un ballon qui est intercepté. Le PSG, là, qui peut se projeter dans le camp adverse. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça, en fait. Nuno Mendes. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Le but, l'égalisation du PSG. Quelle réaction des Parisiens! Et c'est donc une nouvelle égalité, match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Le ballon pour Benzema. Eh non, ballon perdu par Karim Benzema. Et c'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Le temps presse, alors tout le monde s'y met. Et belle intervention dans les pieds sans commettre de faute. Techniquement, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bernat. Et ça arrive sur Mbappé. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Vinicius avec le ballon. Le ballon pour Benzema. Et ça joue sur Fede Valverde. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Neymar. Et Paris peut avancer là, dans le couloir. Et ça joue avec Messi. L'occasion de prendre l'avantage. Et but ! Le but dans les derniers instants.
dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et nous aurons le droit. Ballon pour égaliser. C'était l'occasion de la dernière chance. Malheureusement pour cette équipe, l'égalisation est ratée. Et là, vu le chrono, on peut dire que c'est finito. Attention pour égaliser à l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Ah, le danger est écarté. Fin du premier match de la saison et déjà première défaite pour le tenant du titre. C'est une énorme surprise, cette tartine. Bon, ok, c'est un mauvais départ. Et après la magnifique saison l'an passé, il faut tout recommencer à zéro. Il faut réalimenter. Il y a toujours à faire quand on veut bien faire. Et là, on voit évidemment Léo Messi, un match vraiment très intéressant de votre ami La Pulga. Et oui, on l'a vu tenter, risquer. La récompense, c'est ce but marqué en fin des matchs qui le rapporte à la victoire. Eh, ballon renvoyé, l'action continue. Et ça finit par rentrer, malgré la belle parade, son sens du but, son flair. Oh, Rodrigo, la passe, c'est bien vu. Karim Benzema. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Parc des Princes, bienvenue à Paris. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. Et on est très impatients que ça commence évidemment pour profiter de ce match, le Paris Saint-Germain face au Real Madrid.
Eh oui, elles sont à 3 points de leur rival. Elles ne peuvent pas se permettre d'en perdre davantage pour ne pas se laisser distancer. Elles n'ont rien à envier à leur adversaire. Le talent saura leur apporter la victoire. Ballon récupéré dans le camp adverse. Ah, le ballon est contré. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Et maintenant Carlos Soler. Et ça joue avec Neymar. Et ça joue avec Messi. Ah, dommage, ça partait bien. Mais le ballon change de camp. Et attention à la faute parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire. Et le coup franc finit dans le mur. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Mais pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Le ballon pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Et ça passe! Déjà le premier but du match. Le spectacle est lancé. Ça commence fort! L'engagement de la part du Real. Il faut réagir après ce but concédé. Vinicius. Le ballon est dégagé. Le ballon pour Ferland Mendy. Karim Benzema dans la surface. Ce ballon piqué passe vraiment très proche du but. Le geste juste au moment exact. Pas de chance sur ce coup-là. Ramos. Verratti. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Rodrigo avec le ballon. Oui, c'est bien, l'intervention là, elle est décisive en plus. Elle la fera peut-être pour égaliser. Ballon contré, mais ça revient. Avec Karim Benzema. Attention! Intervention du gardien. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Attention la frappe! Goal! Égalisation du Real! Et avec ce but, score de parité, un partout. Mbappé. Le ballon pour Neymar. Oui, c'est bien intercepté dans la surface de réparation. Benzema. Ah, le ballon récupéré grâce à ce bon tacle. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Ah, quel dommage, ça ne donne rien. Ah oui, l'excellent ballon. Eh, pas de beaucoup, mais hors jeu, c'est sifflé. Avec Kylian Mbappé. Luka Modric. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Hey, le champ était grand ouvert, mais finalement ce contre ne donne rien. Ballon perdu. Vinicius avec le ballon. Oh, la faute! Oh, le geste, il n'est pas du tout maîtrisé. Ça, normalement, c'est exclusion. Carton rouge direct. Là, c'est plus qu'une simple faute, c'est une agression. Et ça donne. Attention, grosse occasion! Et oui, but!
C'est reparti ici. Le PSG est en difficulté. Neymar. Le ballon sur Léo Messi. Il y a un retour de position de hors-jeu qui est signalé sur cette action. La passe, c'est aussi un art du tempo. C'est de la musique. La balle est interceptée. Le Real qui ne semble pas vraiment avoir le contrôle de la possession, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but et dans les moments clés du match. Ah, il leur en faut peu pour marquer et pourquoi pas là encore. Oh, ça peut aller au but. Et voilà ! Goal, 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 goal ! Les Merengues creusent l'écart. 2 buts d'avance maintenant ! Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Fede Valverde. Et il avance, Vinicius. Attention, Vinicius ! Oh oui ! Le voilà le but pour assommer le match. 3 longueurs d'avance maintenant. Autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Frappe contrée, sans souci. Le ballon pour Benzema. Ça revient sur Luka Modric. Attention Vinicius. Là, ça ne passe pas. Kimpembe à la réception, ça repart pour le Real Madrid. Oh, le tacle pas bien maîtrisé, évidemment, il y a faute là-dessus. Ouh, il passe très près d'une nouvelle expulsion sur cette action litigieuse. L'arbitre qui a choisi le carton jaune, mais attention, ça pourrait très mal finir. Et on s'arrêtera donc là-dessus, c'est la mi-temps de ce match. C'est reparti dans ce match avec une avance confortable pour le Real Madrid. Et bien fait, attention à l'occasion. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Rodrigo avec le ballon. Ouais, sobre mais efficace, super intervention. Et ça joue sur Fede Valverde. Avantage laissé à Paris après cette faute. Kylian Mbappé. Un ballon pour Carlos Soler. Et maintenant Carlos Soler. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Et l'option de la contre-attaque est possible. Et c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Et ça joue avec Messi. Et maintenant Hakimi. Le ballon pour Marco Verratti. Oui, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au PSG. Bien défendu. Oh, la faute et du coup, un coup franc très dangereux à venir. Ouais, c'est bien arbitré ça. Il y avait une grosse faute au départ et donc carton jaune. Le ballon pour Hakimi. Ouais, bien défendu, sans faute. Et belle passe en profondeur. Oui, Rodrigo qui est bien servi. Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Hakimi. Messi.
Eh, ballon perdu par Léo Messi. Ah, il y a un contrat joué maintenant. Rodrigo avec le ballon. Ah, il est bien placé, Rodrigo. Salut tout le monde, bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. Et pour vous faire vivre ce match, la team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin Da Fonseca avec Omar Da Silva, bref. Et je pense que nous allons vivre un très beau match ici, le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. La large victoire lors de la dernière rencontre a fait beaucoup de bien. Elle a insufflé de l'optimisme. Il faut maintenant capitaliser sur cette belle victoire et répéter cette performance de très haut niveau. Mendy, et ça joue sur Fede Valverde. Oui, la bonne technique là, et oui, bien aidé là sur cette action, le ballon est récupéré. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Kimpembe avec Marquinhos en défense centrale. Marco Verratti sera épaulé par Carlos Soler au milieu et devant Kylian Mbappé. Léo Messi, évidemment, on va garder les yeux rivés en permanence sur lui. La Pulga, c'est toujours une grande attraction. Sa capacité à finir à... Alors, l'arbitre siffle la faute et attention, quand même au carton.
Oh, l'arbitre sort déjà le carton jaune. Se retrouver averti si tôt dans le match, ça peut poser des problèmes. Eh oui, parce que tu es forcément obligé de te retenir, de faire attention. Ça demande une grande maîtrise de soi. Ouais, bien fait. Bonne intervention, là. Et ça joue vers Modric. Et le ballon vient se loger dans les bras du gardien. Et hors-jeu là, dommage. Oui, la défense est restée attentive. Elle s'est bien alignée. Benzema. Fede Valverde. Ah, c'est un ballon pour Toni Kroos. Toni Kroos. Oh là là, Donnarumma, incroyable. Corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Toni Kroos. Le ballon pour Benzema. Occasion avec cette frappe. Et c'est dedans, le premier but du match. Une domination, une récompense au bout, avec cette ouverture du score, méritée. Le jeu reprend après ce but encaissé par le PSG. Il dépose l'adversaire là. Ça joue, dit l'arbitre, avantage pour le Real. Toni Kroos dans la surface. Oui, bien fait, le danger est repoussé. Benzema. Et le ballon est finalement intercepté. Benzema. Et c'est en direction de Fede Valverde. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Fede Valverde. Et voilà ! Goal, 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 goal ! Les Merengues creusent l'écart. Deux buts d'avance maintenant. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Verratti. Ouais, facile, ça passe. Et pourquoi pas un tir ? Et Courtois se détend pour éloigner le danger. Le corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. D'après les chiffres... Oh, la faute là sur ce tacle. Attention, que va dire l'arbitre là-dessus ? C'est intercepté. Le ballon perdu par le Real. Verratti. Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Luka Modric. Luka Modric qui progresse. Ah, le bon tacle, c'est bien défendu. Mbappé. Benzema. Fede Valverde avec le ballon. Un face-à-face à négocier. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Toni Kroos avec le ballon. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. La récupération haute. Le pressing est payant. Nuno Mendes. Et le ballon rendu à l'adversaire. Léo Messi. Et ça revient sur Lionel Messi. Avec Kylian Mbappé. Grosse occasion pour réduire le score.
Et voilà le but! Dans une cage désertée, ça devait arriver et c'est bien joué d'en profiter. Et le jeu reprend, le PSG a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Benzema! Et but, ça y est! C'est réussi, le doublé! Sa forme est éblouissante, son efficacité insolente, deux buts marqués, et ce n'est pas fini! Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Allez, le ballon récupéré grâce à ce bon tacle. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Mbappé. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Karim Benzema est omniprésent dans ce match. KB Nueve, c'est le football. Eh oui, ce n'est pas seulement ce but. Mais ce qui nous épate, c'est son intelligence face au but. Sa virtuosité balle au pied. Il fait grandir le football, il le dignifie. Le Real Madrid qui a clairement creusé l'écart. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Olé, le bon mouvement. Ah, Vinicius est bien placé. Ah, c'est contré par Kimpembe. Ah non, là c'est manqué. Les scientifiques de la NASA, ils se demandent toujours comment ce ballon a été arrêté. Marco Verratti, Léo Messi. Et l'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos reçoit le ballon. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Toni Kroos avec le ballon. Hakimi. Oh là là, la passe est complètement ratée. La réception de Carlos Soler. Bien parti dans le dos. Ah, dommage, parce que ce ballon là est gâché. C'est une occasion en or et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus. Ah, ballon dangereux là de Messi. Et le danger toujours. Goal ! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. Ah, le score est maintenant de 3 buts à 2. Ouais, la bonne intervention, touche. Ça sort, la touche est pour le Real Madrid. Le ballon pour Benzema. Et bien placé, Benzema! Ah, le gardien intervient tout en se... Et ça sera trois nouveaux joueurs là pour le Paris Saint-Germain.
Le corner de Toni Kroos. Rüdiger avec le ballon. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Et le danger est éloigné. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Avec Karim Benzema. Luka Modric en bonne position. Oui, le but de Luka Modric. Il est exceptionnel. Il est fantastique. Le football, des deux choses l'une. L'autre, c'est Modric. Ah, beaucoup de buts. On en est donc à 4-2. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, Modric, bien vu la passe. Aucun souci sur ce ballon. C'est pour le gardien. Et Verratti avec le ballon. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Vinicius dans le couloir, il a de l'espace. Oh, la faute, cette faute qui vient interrompre cette action. Oh, ça mérite quelque chose, ça. Et l'arbitre sort le carton jaune pour Sergio Ramos. L'enthousiasme, c'est bien, mais attention, il faut tenir tout le match. C'est intercepté, le ballon perdu par le Real. Modric. Un super tacle et ce ballon est récupéré. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Vinicius. Et ça repasse vers Vinicius. Attention, Vinicius. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Mbappé. Ah, hors-jeu évident. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et c'est intercepté, la perte de balle du Real Madrid. Le ballon sort, c'est une touche. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Et c'est un ballon pour Toni Kroos. Ah, il est bien placé, Rodrigo. Ouais, c'est bien défendu, sans faire de faute. Et le contre est possible maintenant. Fede Valverde avec le ballon. Attention là, Toni Kroos. Et c'est le but, encore une situation bien négociée. 3 buts d'écart, quelle performance offensive. Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Oh, Neymar, pourquoi pas une frappe? Bonne intervention du gardien. C'est frappé par Neymar. Goal! Quel ciseau! Rodrigo avec le ballon et le face-à-face à venir. Ouh, le but! Non, le drapeau s'est levé, un but annulé pour un hors-jeu. C'est très limite, mais bon, il faut faire confiance à l'arbitre. Et le drapeau s'est levé, hors-jeu. Un tacle parfaitement exécuté pour récupérer la possession. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Avec Kylian Mbappé. Oh non. Oh, sur la transversale. Quelle frappe énorme, monstrueuse.
dévié par la barre transversale. Le geste des qualités, subtilité, délicatesse, ça dé... On en reste là, c'est terminé dans cette rencontre. Et voilà une victoire capitale pour elle. Avec ces 3 points, elle passe en tête du classement. Obtenir des résultats, c'est essentiel, évidemment. Mais séduire par son jeu, par son ambition, c'est le chemin qu'elle doit poursuivre. Karim Benzema à l'image qui nous a encore fait de la magie pendant toute la rencontre. Le Nueve, c'est quand même un sacré joueur. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. Alors, l'arbitre siffle la faute et le ballon pour Benzema. Occasion avec cette frappe. Et c'est dedans le...